gouvernement porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que la capitale N'Djamena a fait l'objet ce matin d'une double attaque terroriste. Ces attaques, qui se sont produites simultanément aux environs de 9 heures du matin, ont touché l'école nationale de police et les abords du commissariat central de police. Le bilan provisoire de ces attaques ignobles et barbares s'élève à 27 morts, dont 4 terroristes et 101 blessés. Toutes les mesures sécuritaires et idoines et appropriées sont prises par les forces de défense et de sécurité. Et ces mesures fortes et énergiques sont déjà mises en œuvre. Par ailleurs, une cellule de crise a été mise en place par le Premier ministre, chef du gouvernement. D'ores et déjà, la circulation des véhicules à vitres fumées est formellement interdite. Le gouvernement rassure la population et l'invite à garder tout son calme et sa sérénité légendaire, car la situation est entièrement sous contrôle total. Ces attaques qui visent à créer une psychose au sein de la population ne saurait émousser la détermination et l'engagement du Tchad à combattre le terrorisme. Rien ne pourra ébranler le calme légendaire des Tchadiens qui ne céderont jamais à la terreur. Le gouvernement poursuivra sans relâche la lutte contre les criminels qui ont pour dessein de semer la mort et la désolation dans les familles tchadiennes. Le gouvernement présente ses condoléances aux familles éplorées. Boko Haram se trompe de cible. Ces terroristes sans foi ni loi seront débusqués et mis hors de temps de nuire où qu'ils soient. Je voudrais d'emblée vous remercier très sincèrement d'avoir répondu promptement à l'invitation que je vous ai adressé. Comme vous avez dû le deviner, ce n'est pas pour vous entretenir des sujets heureux comme je l'aurais souhaité, mais c'est pour vous informer par rapport à une douloureuse épreuve que notre pays vit depuis quelques heures maintenant. En effet, très tôt ce matin, environ de 9 heures, notre capitale a fait l'objet de deux attaques simultanées et l'une en face du commissariat central à l'entrée de la direction de la sécurité publique, l'autre à l'école de police à Diguet. Et ces deux attaques se sont soldées par un bilan macabre. On a en effet enregistré 28 morts, dont 4 femmes et 100 blessés. Immédiatement, nous avons réuni les services de sécurité pour prendre les premières mesures. Je voudrais vous demander de vous lever pour observer une minute de silence en la mémoire de ces morts. Merci. Je disais que nous avons donc réuni immédiatement tous les services de sécurité. Nous avons pris des mesures sécuritaires d'application immédiate. Notamment, nous avons naturellement demandé à
tous nos services de sécurité d'être en état d'alerte. Et ils seront conseillés, bien évidemment. La ville doit être bouclée, fouillée, et tous les suspects doivent être traqués, doivent être arrêtés. Une chasse particulière doit être menée à l'encontre des véhicules à vitres fumées. Les entrées des édifices publics, les mesures de surveillance accrues seront accentuées. Donc, là où il y a les dépôts de carburant, les stations d'essence, la raffinerie, l'aéroport, le pont, etc., les mosquées, les églises, autour des écoles, autour des marchés, vous aurez certainement à subir en tant que citoyen les inconvénients de ces mesures pour un temps, mais ce ne serait vraiment pour un temps. Nous pensons que ça ne va pas durer puisque à l'instant où nous parlons, la situation est calme, la situation est sous contrôle. Néanmoins, nous souhaiterions qu'il n'y ait pas des attroupements. Et pour la journée, nous avons demandé exceptionnellement que la circulation sur le pont Angeli soit interrompue. Et nous avons mis en place une cellule permanente de crise autour du premier chef du gouvernement, et d'autres mesures pourraient être prises en fonction de l'évolution de la situation. Et je ne pense pas qu'on puisse arriver là, puisque, à notre avis, la situation est calme pour le moment et nous croyons que ça va continuer. Une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet d'instance, tribunal de grande instance de N'Djamena, pour essayer de déterminer avec précision le mode opératoire, les circonstances, les auteurs de ces actes ignorent. Dans l'étape actuelle, aucune hypothèse ne peut être écartée, mais tout ce que nous pouvons dire, il s'agit d'une attaque terroriste et ça doit être traité comme tel. Les victimes, c'est des paisibles tchadiens, civils, dont 4 femmes. Il y a des élèves policiers, puisque ça s'est déroulé dans l'enceinte de l'école de police, il y a des élèves policiers qui ont trouvé la mort. Il y a eu d'autres agents de sécurité, notamment, je crois, 2 gendarmes. Donc, nous avons voulu vous informer à chaud. Nous ne pouvons pas fournir davantage d'informations puisque les investigations sont en train d'être menées. Mais c'est pour vous informer par rapport à ce qui est arrivé, par rapport aux mesures qui seront prises, peut-être les nuisances que cela pourront produire. Tout sera mis en œuvre pour que le plan machiavélique de ces terroristes, qui n'ont pour seul but que de créer la psychose chez nos populations, de remettre en cause la paix, la sécurité, la stabilité, tout sera donc mis en œuvre pour mettre en échec. Et le gouvernement, à travers le communiqué de presse qui a été rendu public tout à l'heure, a exprimé sa compréhension avec les victimes blessées et présenté ses condoléances aux familles éplorées et a marqué sa détermination. Je réitère ici la détermination du gouvernement à continuer d'assumer avec détermination
toutes ces obligations et nous souhaiterions attendre de vous que vous puissiez jouer pleinement le rôle social face à cette menace qui exige une vigilance accrue de tous et surtout une collaboration sans faille avec nos forces de défense et de sécurité. Dans des situations pareilles, la vraie arme demeure l'information, les champs d'information, les renseignements. Nous sommes donc plus que jamais déterminés à poursuivre partout, sans relâche, la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Je voudrais donc, à travers vous, inviter l'ensemble de notre peuple à la sérénité, au calme, car, je le répète, la situation est entièrement sous contrôle. Je souhaiterais donc lancer un appel, encore une fois, de plus à l'union sacrée de toute la communauté nationale face à cette épreuve que notre laborieux peuple vient et en train de vivre. Cela ne remettra jamais en cause la paix que notre pays a acquise de haute lutte par le sang. Et cela nous amène donc à renforcer les mesures de lutte contre le terrorisme sur toute l'étendue du territoire. Des instructions ont été données à tous les gouverneurs pour que dans toutes nos grandes villes, que la vigilance soit de mise. Aujourd'hui, c'est ici, ça peut arriver ailleurs. Et donc, tout le monde doit être mobilisé pour cela. Voilà, en substance, l'objet, le contenu succinct de la communication. Je le répète, nous ne pouvons pas nous aventurer davantage puisque une enquête est là, ouverte pour des investigations, pour approfondir les investigations. Et encore une fois, je sollicite votre collaboration, la collaboration de chacun de nous, que chacun de nous soit une sentinelle face à cette épreuve. Amertume et consternation se lisent sur les visages après ces attentats kamikazes, meurtriers, qui ont endeuillé la capitale. Mais la sérénité est là. Le Premier ministre Kazembe Pamy Debe, en effectuant ce déplacement de l'école de police où deux attentats suicides se sont produits, c'est un appel à l'angoisse de la population à ne pas céder à la panique face à la barbarie des terroristes. Selon les explications du directeur de l'école de police, le général Sirandi Ontoin, c'est au sein même de la 6e compagnie, en pleine formation militaire, qu'un kamikaze a activé sa bombe. Le chef du gouvernement l'a instruit de veiller à ce que les entrées soient filtrées et que la vigilance soit accrue.